Si l'eau contaminée par le nucléaire est sans risque, il n'est pas nécessaire de la rejeter dans la mer. Si elle n'est pas sans risque, il ne faut pas la rejeter. Je pense qu'il n'est pas difficile pour nous de comprendre que le rapport de l'AIEA ne peut pas servir de permis au Japon pour poursuivre le déversement d'eau contaminée par le nucléaire. Ce rapport ne peut pas donner au Japon la légitimité pour ce rejet, ni l'exonérer de sa responsabilité morale et de ses obligations en matière de droit international. Nous avons dit à plusieurs reprises que le gouvernement japonais agissait à l'encontre d'une forte opposition internationale et contre les droits des personnes au Japon et ailleurs, à la santé, au développement et à un environnement sain, en commençant par la force, le déversement dans l'océan de l'eau contaminée de la centrale nucléaire de Fukushima, et en faisant courir au monde le risque d'une contamination nucléaire. C'est extrêmement égoïste et irresponsable. Le Japon doit mettre immédiatement fin à ses agissements et ne pas laisser l'eau de Fukushima devenir la honte du Japon.